Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis Neuneu et je vais vous accompagner pour cette fin de soirée avec des sous-marins. Oh, c'est très très surprenant, dis donc Neuneu, tu fais du sous-marin, comment cela se fait ça? 57 sous-marins en attente. J'espère que vous avez passé une bonne journée. C'est peut-être un jour férié demain et vous ne bossez pas, bande de petits vénards, la Pentecôte. J'ai oublié ce que c'était. Je bosse demain. Je bosse tôt, même en plus. Enfin, tôt. Si on peut dire que 7h30 c'est tôt, ce qui n'est pas forcément si tôt que ça. Comparé à d'autres personnes qui doivent aller au travail, des fois beaucoup plus tôt. Salut, Rabtiago, bienvenue. Mais voilà, moi je bosse 7h30. Je m'en sais bien passé, sincèrement. Petit jour de repos là, week-end de 3 jours, en plus il fait beau. Un temps idéal pour se planter dans son bureau et jouer au PC toute la journée. Faire monter le bureau à 31,5 degrés. Trop bien. Ah ben non, je dois me contenter d'une heure le soir. Un peu plus d'une heure là, en fait, d'une heure et demie. Ce qui est pas mal. Alors, il y a du monde chez Alex Meyer. Il y a du monde chez Le Daffy. J'espère qu'ils vont tous revenir ici. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Un paquet de bots. Allez, on passe en bon clavier. Je n'ai pas fait gaffe. Oh, triple 69 en face. Ça pique. Salut Yves. Hello Everett. Triple 69. Je vois que l'U69 a la cote. La cote. Il y a un CV. Je me sens terriblement seul. Quelqu'un va-t-il venir m'aider? Toi, peut-être? Toi, oui, toi, jeune Galent. Salutations. Jeune Galent, viens m'aider. Mayday, mayday, salut Hérésie. Viens de ce côté-là, oui, viens chercher. Non, pas de ce... Non... Il n'y a qu'un seul DD. Reviens! Bon, attends, s'il n'y a qu'un seul DD, il n'y a qu'un seul DD en face aussi. Non, il y en a deux. Mais pourquoi ils vont les deux du même côté? Viens, va chercher bonheur. Je sens que ça va mal se passer. Je me sens tellement seul. Ah, d'accord. Il y a des croiseurs. Mais ils ne voient pas les... On va caper.
On va caper, ça va très bien se passer, puis après on part. Je peux pas me permettre de rester, sauf si je vois un Tsum Tsum. Peut-être. Si le sous-marin est en surface. Pourquoi je suis trop. À la prochaine, je streamerai. Oh oui. Oh merci. Merci, Ocean. Tu m'aides. Mon compagnon de toujours. En attendant, je ne capte plus. Je suis fou, mais j'avance. Allez, je suis fou, j'avance, j'y crois. Basse terrasse. Ah ah ah! Bonjour. Alors. Ok. On passe en un quart, tranquillou. So far, so good. Maintenant, je mets. Pas besoin. Pas besoin. Il est à 3 km. Reviens. Look, look. Look the ring. J'aime pas ça. Il faut que j'appuie vite. Il faut que je tourne. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je plonge. Non, il continue à tourner. Ah, si. Je plonge simplement pour plonger. Comment j'ai pu taper un caillou? Je suis à 50 mètres. Comme je l'ai perdu, je pouvais plus pinguer, c'est pas possible. Mais il est parti. J'ai eu peur des torpilles. Oui, touché. Ah ah ah. 3 km 9 toujours. Pourquoi je vois pas? Il est derrière une île? Ah, il est derrière l'île. Il y a une île là. Il y a une île? Je suis repéré. Moi aussi, je vais te repérer, regarde. Allez, t'es là. Pourquoi je te vois pas? Je plonge. 80 mètres. Je plonge. Elle plonge sur moi. Tourne. Tourne-le. Oh, il y en a une qui m'a touché. Ah la vache, elles ont vraiment un angle terrible ces torpilles. T'es à combien? T'es à 20 mètres et pourtant elles ont réussi à descendre comme ça, vous vous rendez compte? Cinquante, 22. Non, là, elle ne me touche pas celle-là. On est trop près. On est trop près l'un de l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est se mettre en face et y aller comme ça. Non, plus bas. Non, plus bas. Il est à 22 mètres. 14, 22 mètres. 21, 22. 20, 22. Il tourne. Il tourne, il plonge. Il tourne, il plonge, 30 mètres. 30 mètres, 40 mètres. 40 mètres, 50 mètres. Je vais essayer de le pinguer. Et je fais un jet. Alors il est pas loin. Il est pas loin, mais ce sera peut-être suffisant. Ce sera peut-être suffisant. Ça va peut-être suffire. Oh, c'est pas vrai, il est pas mort. Galen, tue-le, s'il te plaît. Voilà, merci. Si tu veux venir en père Phérésie, viens. Utiliser la corne. La corne sur le sous-marin. Youdoulou, Balachou. C'est notre cri de guerre, Youdoulou. Quatre loperies, zéro sous-marin. Non, c'est vraiment pas de bol, ça, Hérésie. Salut, Tistos. Merci. Comment ça? On commence à y faire, hein, contre les sous-marins à force. Hein.
Ça commence à être ma tasse de thé. Je vais le pinguer surface. J'en mets un. Voilà. Je shoot. Et tant pis par là. On va essayer de mettre le deuxième. Deuxième ping. C'est bon. On plonge. En surface, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à faire que. Beaucoup plus facile à faire que sous l'eau. Nope. Ah voilà. Oui, il est proche. Allez, torpille. Allez, une. Une. Une, deux. Il est à 3 km. Je replonge, je fonce. J'ai récupéré. Il est mort. Bon, GG. Je tire à l'aveugle en somme. Salut Bulbix. C'est étrange l'absence de délocalisation sur les croiseurs malgré les grenades. Ils seraient trop OP. Bah non, il faut utiliser l'hydro. Ils ont un consommable d'hydro. Salut Dolorexy. Salut, est-ce que c'est assez facile de piloter un sub? Ça ressemble à de la facilité, mais en fait, ça n'en est pas. C'est de l'expérience. C'est franchement, franchement une classe qui demande de jouer avec, de les manipuler pour pouvoir les gérer au mieux. J'ai quelque chose. Ouais, bah, bon, ils sont par là, quoi. Merci Tistos. Mais c'est vrai que bon, voilà, j'ai fait les trois bêtas, j'ai fait le test public. Je nageais pendant les bêtas. En test public, ça, j'ai pris le coup, ça y est. Puis là, c'est bon, ça gère la fougère, comme on pourrait dire. Hein. Salut Shiny Hunter. Mais oui, mais il faut pas commencer à prendre les sous-marins et dire oh, c'est de la merde, j'y arrive pas, c'est nul. Non, 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 surtout pas. Je pense qu'il faut prendre le temps, je plonge. Faut prendre le temps de s'y acclimater en fait. Il y a tout un tas de petits détails qui font que voilà, pinguer avant, tirer. Là, je peux. What? Pourquoi je te ping pas? Ah, ouais, désolé aussi, merci. C'est un cadeau. Alors là, mon gars, t'as quelques problèmes. T'as quelques soucis. Oh, il a évité les torpilles. C'est pas moi qui vais te tuer. Non, mais meurs. Tiens, il a. Oui, voilà. Joli travail. Good job, je vais dire. Je suis remonté surface. Oh, je suis repéré avion. Bien entendu, je peux rien lui faire. Oh, putain. Vous savez quoi? Je vais me jeter sur lui. Il est à 6-4, il me voit pas. Pas encore, en tout cas. Il peut pas se cacher. Ça se tente? Bah, ça se tente. Ça va vraiment trop vite. Loupé de près. C'est trop dur à pinguer.
Il est visible parce qu'il a tiré. Je plonge un peu parce qu'il y a quand même des torpilles qui arrivent à la vitesse de la lumière là. Je fais plus de vues sur Twitch que sur YouTube. C'est normal, Dolorexy. Ce matin, avec ton S1, t'as fait 7 kills et 146k dommages. Pouah. Ça commence à. Tu commences à être un vrai tueur, Sion. Salut. Cupéré, je sais pas comment je dois te dire. Et c'est normal qu'on fasse plus de vues sur Twitch que sur YouTube, car nous sommes partenaires Twitch. Et donc, du coup, j'ai l'interdiction de restreamer en même temps sur Twitch et sur YouTube. Sur YouTube, ce n'est que. J'attends, il va venir vers moi, c'est pas possible. Il peut pas, mais. Go cap. Please. Faut toujours être poli. Toujours être très poli. Bon, go cap maintenant. Salut, Shockel. Hello, Hardwell. Tu regagnes de la vie avec le temps ou la surface? Non, la vie, je la regagne pas du tout. Sauf quand je suis avec le S1, qui est russe, qui lui regagne de la vie. C'est sa particularité avec un consommable. Ah ouais, mais fuck, moi je peux pas. Deux DD qui traînent. Déjà, je suis en train de voir. Cap déjà. This game mode is just useless. So don't play. And stop crying. Voilà. Ne joue pas et arrête de pleurer. Bonjour, Vasteras. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Parce que moi, je le suis. Ah, il tourne. Pourquoi il a pas capé? On gagne de justesse. J'attends qu'il me voie. 3 km, il est rapide. Hein. Oui, il est mort. Ah, noise. Ma détection, hein. C'est ma détection qui l'a tué. Tonton King Kong est devenu fort. Ah, ça c'est grâce au raid. T'as l'air de galérer comme moi pour la machine d'un U-boat. C'est un coup à prendre, écoute, Hardwell. Mais une fois que voilà, c'est fait, c'est pris, c'est bon. Hein. Je vais essayer de go surface. Voilà. À part l'hydro, elle a régène. C'est quoi le troisième consommable de l'eau de sous-marin? C'est un boost vitesse. Ce qui est le plus con, c'est que c'est le moins rapide de tous les trois. Et le fait de lui mettre un boost vitesse le fait aller à la même vitesse que tous les autres. Vous allez dire, ça sert à rien dans ce cas-là de faire ça. Pourquoi faire ça si juste avec le boost vitesse, il va aussi vite que le russe et que l'allemand? Il ne faut pas oublier qu'un boost vitesse, c'est aussi un boost maniabilité. On descend, on monte plus vite et on tourne mieux. Donc ce boost vitesse va vous permettre sous l'eau de mieux vous mettre dans le bon angle ou de mieux esquiver les torpilles par exemple. Alors les sous-marins pour l'instant sont prévus dans les nations suivantes: russes, allemands et américains. Comptez sur les japonais plus tard, bien entendu. Et puis on va avoir j'aimerais des Français bien entendu mais bon voilà, salut qui se coule. Le sous-marin il capte les points. Un sous-marin qui capte les points, c'est n'importe quoi. Uniquement en surface.
Ah oui, les japonais, je ne doute absolument pas qu'il va y avoir les japonais. La hype de l'I400. Il faut qu'ils trouvent un gameplay pour l'I400, mais. Non, pas sous l'eau. Bien sûr que non, qui se coule. Ce serait OP. Regarde, là, le machin, il est en train de jeter sur moi. Parce qu'il sait que je suis en train de caper. Il vient me chercher. Quand il va me voir. Si dans les 22 secondes il me voit, il va essayer de me plomber. Il faut qu'il soit à 1,5 km de moi pour me voir. Il va me voir de trop loin déjà. Il va m'arriver arriver sur moi. Hop là, salut. Il peut pas me tirer dessus. C'est pas possible. Il est obligé de faire un demi-tour. Ça va me laisser le temps de caper normalement. Voilà, il fait un demi-tour. C'est capé. Salut, je me casse. Sous l'eau, je ne cape rien du tout. Mais alors? Coach, que dalle. Que dalle, que dalle. Rien. Je vois rien non plus. Je vois plus les avions, je vois plus la surface, je vois pas du tout. Le sonar, il fait quoi exactement à l'ennemi? Tu comprends pas trop. Quel sonar? Salut Aurel, ça va bien? T'es pas trop content. Toi, les Japonais sont trop forts. Et moi, je les gère pas. Oh, on peut pas dire que les Japonais soient trop forts. C'est l'interface chaise clavier qui est forte. Le tir 1. Pour nager, on ferme les yeux. C'est vrai, ça marche aussi. Je suis pas sûr qu'ils viennent vers moi. Hein. 944, on va se la jouer comme ça. Je vais vraiment de surface. Je vois pas les avions, je sais pas où ils sont. Ils pourraient très bien tourner autour de moi, essayer de me voir. Il s'est cassé, tu vois. Salut. Il est là, regardez-le, il est là, je peux pas le tirer dessus. Oui, mais dans la guerre, mieux vaut pas. Salut, sac à puce. Alors, je vais essayer d'expliquer l'hydro. L'hydro sous-marine, de règle générale, d'accord? Donc, on a notre sous-marin là. Ce sous-marin-là a un hydro 4 km, qui est un hydro conventionnel. J'active, je vois les navires et les sous-marins qui se trouvent 4 km autour de moi. Et surtout, je les marque pour mes potes. Et ça, c'est très très sympa. Merci Wonderchris 75. Excellente année. Excellente année. C'est un très bon cru 1975, je trouve. Donc, l'hydro voit les bateaux et les sous-marins autour de moi. Ça, c'est très bien. Ça me sert pour moi et ça sert aussi pour les autres. Il y a aussi l'équipement hydro qui se trouve maintenant sur tous les destroyers à partir du tiers 6 et sans doute du tiers 5 plus tard, je sais pas. Cet équipement, lui, ce n'est pas inconsommable, ça ne s'active pas. Ça marche dans les 6 km autour de mon destroyer et ça va m'indiquer s'il y a un sous-marin présent. Avec une sorte de petit arc qui va se trouver autour de mon viseur, hein, qui marche exactement comme RTS, RPF, RPF, la radiolocalisation. J'ai un arc qui m'a dit, puc, il y a un sous-marin qui se trouve par là, dans les 5-6 km, maximum. Donc, je me dirige dans cette direction, et là apparaît une belle bulle sur l'eau qui me dit, voilà sa dernière position connue. Tu es plutôt destroyer, croiseur, cuirassé, porte-avions ou sous-marin? Un peu tout ça. Sous-marin, destroyer, j'aurais tendance à dire. J'aime bien les cuirassés aussi. Quand je me mets au-dessus dans la bulle, une autre bulle apparaît. C'est une mise à jour de sa position. Je me dirige à nouveau vers la bulle. Si il est assez près, dans les 50 mètres, il y aura une localisation, un proxy spot, comme on l'appelle, comme on a un proxy spot avec tous les autres navires. Il me voit et me montre à tout le monde, et je le vois et je le montre
à tout le monde, sauf qu'il n'y a que moi qui peux lui faire des dommages. Par contre, tous les autres peuvent me faire des dommages à moi. Même dans la smoke, ça marchera pas, hein. Je peux me mettre dans la smoke et proxy spot. Il vaut mieux être seul quand on est face à un sous-marin. S'il a du renfort, eh ben, ça risque d'être un petit peu compliqué. À partir du moment où je le vois, ben, je peux lui lâcher mes grenades et youplaboum qui coulole. Si il utilise son consommable qui le fait aller au-delà de 50 mètres jusqu'à 80 mètres, auquel cas, là, je ne le proxy spot plus, je ne le vois plus du tout. Et je lui fais des dommages minimes sur les grenades. La seule chose qui peut me permettre de le voir, c'est le consommable hydro. Et ça, les destroyers ne l'ont pas tous. Les Allemands l'ont, mais voilà, c'est un peu tout. Oh, c'est pas que ça. Les croiseurs légers ont des grenades aussi, mais ils n'ont pas l'équipement hydrophonique automatique. Ils n'ont que leur consommable pour pouvoir détecter les sous-marins entre 6 mètres et 80 mètres. Un Nouban dit, oui, viens avec nous si tu veux, Boulbix, je veux déjà être avec Assiron. Et salut, Wonder Chris. J'espère que cette explication exhaustive de l'hydrophone sous-marin vous aura plu. Faut m'arrêter des fois, je pars. Je pars loin. Et invitons à Sion. Ah, Boulbix, tu n'es pas un nonothéiste. Je ne peux pas t'inviter depuis une liste, mais heureusement, tu m'écris. Youdoulou, eh bien, je t'invite. Voilà. Et je vous ai tous endormis. Je reçois pas tes notifs de live, du coup, je savais pas que ce matin tu as stream. Ah, mon bon dodo, ce n'est pas moi qui ai streamé ce matin, c'était Momo. Et oui, la WSFR, c'est une chaîne communautaire, c'est même la seule chaîne communautaire francophone. Merci Argus pour ton follow. Nous sommes 5, 6, 7 streamers à nous relayer tout au long de la semaine pour pouvoir vous offrir du bateau, du bateau, du bateau, du bateau et rien que du bateau. Alors, il y a des animateurs. Je vous laisse deviner qui sont les gars qui causent beaucoup. Il y a des pro players qui, eux, sont des pro players. Et y a de tout. Il y a de tout sur la WSFR. Et c'est ça qui en fait sa force. Je repars en U69 parce que moi j'aime l'U69. Il faudrait que j'aille sur voilà. Momo l'abricot. Momo l'abricot cause beaucoup aussi, mais moi je parle pas mal. Qui est-ce qui cause beaucoup? Je ne sais pas. Youdoulou. Ah super, on m'envoie. On me dit en régie qu'il va y avoir de l'avion. Youdoulou à vous. On voit les gens qui suivent ma chaîne perso. Car oui, Youdoulou est un cri de guerre qui donne du courage et de la force à ceux qui l'utilisent. Moi je dis utiliser la force du Youdoulou. Il faut faire ça. Alors, en bateau, je sais pas trop si ça va servir, mais pour sauter au-dessus des précipices et essayer de s'accrocher en face, Youdoulou, vraiment, c'est plus puissant que le banzai. C'est vrai, ça marche bien. Des fois pas, mais juste au cas où. Ah, c'est Youglouglou ici, ouais. Youdoulou dans les esquives torpilles, ça pourrait peut-être le faire. Ah, il y a de l'avion, c'est très surprenant. Marcher sur les épines. Bon, 15 secondes. Encore de l'us. Non, du cachalot, il y a un peu de tout en face, c'est ça qui est bien. Je regarde surtout les DD. Un seul DD, un guépard. Je dis un seul DD parce que les autres sont
Oh, la quétale. Comment je vais dire? Je vais rien dire, je vais avancer. Non, attends. C'est Papy Casper. Casper. Me suis toujours pas mis sur le vocal. Quelle honte. J'ai ramé ma Bayern avec ton U69 en faisant surface, sans même savoir qu'il était là. Oh, tout notre TD. Merci de rappeler ça. Est-ce que tu penses que un jour les sous-marins auront des missiles qui explosent sous 10 à 20 mètres sous l'eau? Merci, Legend since 1994. Bienvenue à toi. Un pro player en action. Eh bien, je ne pense pas, non. Les missiles, en règle générale, n'ont pas leur place dans World of Warship. Et ils n'apparaîtront pas tout de suite. Maintenant, faut se méfier. Parce que, au début de World of Warship, les développeurs ont dit: les sous-marins n'ont pas leur place dans World of Warship et ils n'apparaîtront jamais. Et ils ont fini par dire: peut-être. Et au final, vous les voyez devant moi, c'est incroyable. Globe. Donc, conclusion, des missiles. Donc on aura des missiles. Lol. On sait pas. Je peux pas. Oh, le Fubukai. Ouais, bah Fubukai. 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 Il n'y avait pas un... Ah, le guépard joueur. Ah, mais ça va, ils sont de l'autre côté. C'est bon, j'ai le temps. 3 minutes de jeu, on a déjà perdu un sous-marin. Je vais essayer de pinguer surface. Non, loupé. Un quart. C'est un bot, il va se prendre une tonne de torpilles. Fuck me. Il est mort. Éventuellement. Ouais, éventuellement. Est-ce qu'on va pouvoir caper? On n'est pas prêt pour les gruyaux missiles soviétiques issus des dessins du PQ de Staline. C'est sûr que... Il y a des missiles. Je suis drôle. Moi aussi. Hein. Vous le voyez là? Oh nice, il se cache. Il se cache. Là, je pense que mes machins, ils vont faire poum poum. Boum boum. Boum boum. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, j'y avais jamais pensé. C'est l'art de se cacher derrière des îles dans un sous-marin. C'est tellement beau. Là, il va faire pareil. Ça, c'est un pro player. Je suis dans la merde. Voilà. Pareil que toi. Ouais, tuez-moi ce guépard. Voilà, c'est bien.
Double ping. Fuck. Oui. Allez, il l'a esquivé. Ah, il a esquivé les torpilles. Ah, il a réussi à les esquiver, hein. Alors, normalement, il y a des missiles qui seraient cool pour mettre le feu aux cuirassés. Bah oui, non, mais t'as la hache pour faire ça. À l'heure actuelle, il y a déjà des missiles sur le jeu, hein. Tu regardes le Frisland. Et sur le Frisland, il y a des missiles. Mais ils sont là que pour la déco. Ils sont pas là en jeu. C'est des missiles qui s'appellent des robots 08. Ils vont à 73 km. Ils vont à 70 km à peu près. Je ping le premier. Je suis repéré avion. J'essaie de pinguer le deuxième. Allez, le deuxième. Non, mais non. Ah, ouais, je l'ai coulé quand même. Nice. Il reste plus qu'un sous-marin. Sous-marin qui traîne là. Hein. Il est là, il est dans le coin. Il faut que je le trouve. Il faut que je reparte en avant, un quart. Ça rendrait le jeu injouable. Enfin, je veux dire, torpille. On a gagné. T'as été complimenté alors que t'as été t'es arrivé en retard de 2-3 minutes. T'as peut-être fait une très bonne partie quand même, hein. Mais après, ça transformerait le jeu en harpoon, quoi. C'est quoi les missiles, après tout? Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité de pouvoir détruire ou endommager l'ennemi en dehors de ta portée de visibilité de 40 km. Tu ne vois pas l'ennemi, tu vois l'ennemi sur un radar et tu fais pip feu, t'as le missile qui part et puis qui va atterrir sur l'ennemi à 40 bornes. Alors on change de jeu, hein. Jouer à Command Operation, là, ne jouez plus à World of Warship. On sort du jeu d'arcade. Ils avaient essayé un truc du genre. Tu conduis le missile directement, en première personne. Mais ça n'a pas marché. Ça marchait, c'était fun si tu veux, mais ils ont laissé tomber l'idée. Ça donnait quoi au niveau du... Ah, je suis loin et c'est encore une fois de plus Assyron qui gagne la timbale. Il est fort cet Assyron, il est fort. Capitaine, nouvel abonné en vue à l'horizon. Ouh, bat naze. Magouille. Merci. Merci pour le sub. Je vais aller sur le Discord quand même, parce que histoire d'entendre la douce voix d'Assyron. Te trouves-tu? Salut. Ah oui, tu veux entendre ma Oh voix. oui, ta douce voix. Ouh. Hop, je te rebaisse ça pour pouvoir voir le chat correctement. Salut Asto. Et on est reparti. Quand si ça bug pas. Les torpilles actuelles sont filoguidées, exactement. Hein. Ce qui permet de plus d'avoir le système électromagnétique pour qu'elle puisse se guider, hein, tu vois. C'est carrément un opérateur qui guide la torpille.
Salut, commandant Cousteau. En missile contre-char, des missiles filoguidés. Ah, faut beaucoup de câbles. T'as un mec qui déroule. Allez, Jean-Louis, lâche du câble, Jean-Louis, vas-y. T'as des énormes bobines. Non, maintenant, je suis pas un voyou, moi. Non, il est suisse. C'est pas un voyou, tu vois bien. Il y a des bottes. Mais oui, il y a des bottes. C'est normal. C'est normal parce que on peut pas avoir 100% 24 joueurs qui sont tout le temps en train de voilà quoi, c'est pas possible. Allez Jean-Louis, vas-y. Lâche du câble, lâche du câble. La cible est à 3 km. Et après, tu fais quoi une fois qu'il a explosé? Il faut suivre le câble. Et je sais où est le char. Je sais où est le char. Il suffit de suivre le câble, les amis. Combien vas-tu faire gagner de Tachibana? Oh, je vais peut-être faire un Tachibana. Après, ça va gaver tout le monde, des Tachibana. Il faut dire, mais t'es jamais nonneux, t'as fumé ton slip. Qu'est-ce que tu nous fais gagner, les Tachibana? On l'a tous dans le C'est tellement pain. bien. Je vais J'aime faire bien Tachibana. un giveaway de Tachibana samedi prochain. C'est vrai qu'il vaut 89 centimes. On pourra en faire gagner 10. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas le Tachibana après tout. Et ils rêvent de l'avoir. Je l'ai à double Tachibana. J'ai le lima moi aussi. Ouais, le lima et le Ouais, normal. ouais, ouais. C'est ça, c'est Jean-Louis qui rembobine Noël. Il y a Jean-Louis. Allez Jean-Louis, rembobine tout. Oh là, tu prends la foudre, dis-moi. Je vais venir me cacher avec toi. Oh, super, il est à moins de 4 km. Aïe! Je me prends une cita. Il smoke, il fait quoi? Il se cache? Ah non, c'est un bot. Oui, c'est mis une smoke, mais Il smoke là. il s'arrête pas dedans. T'es rigolo comme streamer, les autres ils sont trop sérieux. C'est quoi cette torpille? Alors, c'est ce qui s'appelle, pour moi, dans mon langage, être un animateur. C'était quoi ça? Mais. C'était des torpilles. Bon. Elles sont passées sous moi. J'anime. Ah, ça, je sais bien faire. Est-ce que je sais bien jouer? Je ne sais pas. Mais. Je suis conscient du fait que je suis un joueur très moyen, mais un animateur sympa. Je suis Hydro. Je ne te ferai même pas l'honneur de te mettre le plaisir de te mettre des. Oh, je l'ai loupé. Il descend très bas. Bonjour monsieur. Il est très bas, il est très bas. Je vais t'aider. Il est à 80 mètres. Tiens, hé, esquive ça. C'est fun. C'est à 80 mètres. Vas-y, je te laisse le terminer. C'est la double dose. La double peine. T'es bien à 80 mètres là? Eh ben profites-en bien parce que regarde, Ça va être fun. ça va être ta fête. Oh, t'as un boum. Pouf. A plus. Pourquoi ça coûte des PO de participer à des giveaways? Parce que, imagine, Astos, c'est assez simple. Tu vois, sur le titre du stream, tu te balades, hein, t'es sur Twitch, ploum ploum ploum, tiens, je joue à World of Warship, alors je vais regarder les streams de World of Warship, voilà.
tu connais pas les streamers, t'arrives comme ça, tu vois marqué en gros giveaway dans le titre. Tu dis waouh, giveaway, vite, 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 t'arrives, tu vois que le giveaway est en cours, alors tu dis même pas bonjour, tu participes, je participe, je participe, il y a le tirage et boum, tu gagnes. T'as même pas dit bonjour, tu connais pas le streamer, tu sais pas ce qu'il fait, t'as juste gagné le giveaway, sans rien, comme ça. Et puis après, tu t'en vas, t'as gagné, et tu ne reviendras plus jamais. Est-ce que ça te semble juste pour les mecs qui passent des heures à te regarder, à discuter avec toi, et puis qui jouent avec toi, contre toi, qui aiment te couler? Non, ça l'est pas, absolument pas. Il y a des profiteurs. C'est la nature humaine, il y a des profiteurs partout. Alors, je préfère faire un système qui récompense la fidélité et dire tu gagnes des points quand tu restes, et du coup, tu participes avec des points que tu as gagnés. Voilà le truc, c'est l'idée en fait. Si t'en as plus, tu peux demander à Sion. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps. Tu peux aussi demander à Batnaz, il en a plein. Ouais, voilà, il y a des gens qui. Voilà. Parce que c'est Est-ce qu'il toujours va. attirant. Est-ce qu'il va essayer de se. Il s'en va, il fait quoi? Mince, j'ai plus de batterie. Oh mince, il est mort. On va. N'est-ce pas, Batnaz? On peut aussi demander à toi des PO. C'est quoi derrière? Il y a un sous-marin qui est derrière toi, il te suit. Il n'y a que le Tachibana Lima dans la boutique premium. Il coûte 80 centimes. Salut Lex. Non, non, il n'y a pas de kiff. Oui. Oui, d'accord. Eh, calmez-vous les gars, j'ai rien fait. Ça va, on se calme. On se calme tout de suite, non? Je suis pas là, vous me voyez pas. Comment on peut gagner des sous-marins? C'est assez simple. Tu vas dans les batailles sous-marines. Si t'as un tier 6, normalement, tu dois y avoir accès. La bataille sous-marine, c'est comme le FFA ou la coop. Tu cliques dessus, c'est une icône violette. Et si tu peux pas y aller, c'est que t'as encore pas de tier 6. Non, Batnaz. C'est pas comme ça que ça marche. Les sous-marins, tu peux pas les gagner en regardant le stream. J'aimerais bien vous faire gagner des sous-marins en regardant le stream, mais c'est pas possible. Un giveaway de sous-marin. Giveaway de sous-marins, je vous offre des sous-marins tier 6, les amis, dans ce giveaway incroyable. Vous nous gagnez le surcouf. Oui, je sais, j'avais compris. J'avais compris. C'est un joueur ou c'est un bot? C'est un bot. C'est coulable alors. Donc les batailles sous-marines. Tu vas dans les batailles sous-marines, tu fais une bataille avec n'importe quoi. Là, tu gagnes un jeton que tu peux échanger à l'armurerie contre soit du charbon, soit les sous-marins en location. Ping. Je commence à faire marche arrière parce que double ping. Yes. Font la course, qui va Ping. gagner, qui va arriver sur la cible en premier. Ping. Merde. Ping. Et boum. Mais bon, bah boum quand même. Je pense que je le tue. Ouais. Je plonge. Il m'a vu. Merci pour l'accueil de vendredi. Tu t'es endormi devant ma télé dans ma chambre et j'ai découvert aujourd'hui que j'avais gagné. Voilà, c'est même pour ça. Tous les giveaways à base de code, je les donne. Je chuchote, je donne, aucun problème. Par contre, ça aurait été un giveaway où est-ce que tu avais un choix à faire dans le magasin, je l'aurais retiré. Demande à World of Warship
de te faire un sponsor et tu lui fais gagner des bateaux premium ou des sous-marins. Oui, ça existe déjà, ça, Dodo. Sauf qu'on n'a pas assez de viewers. Il va falloir que tu nous ramènes des viewers supplémentaires. Il faut qu'on ait une moyenne meilleure que ça. On doit être dedans côté moyenne d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi on n'a pas passé le cap. C'était un bot, hein. Ah, c'est pas vrai. Je plonge, je sais où est-ce qu'il se trouve. On va y aller profond. Parce que voilà. Parce qu'il sait où je me trouve. Santa Shibanang, il veut. Oui, il serait content. Ça fait 90 euros, ça. C'est que 80 euros, et vu comment t'es riche. Vous me prenez pour Crésus. Mais il y a plein de gens qui l'ont déjà, le Tachibana. Ce moment où t'es en hyper et que t'as un meilleur DD que les 3 DD dans ta partie. Ça peut arriver, hein. Le CV peut me drop des bombes si je suis en surface, c'est-à-dire entre 0 et 6 mètres. Attention, il a mis des chasseurs Ah ouais, au-dessus de bah lui ouais, là. ah ouais. Et il me cherche, il sait que je suis là. Il sait parfaitement que je suis là. Salut Miu. Non, non, il est hors de question que. Il est hors de question que la OSFR offre 40 Tachibana. Ça fait beaucoup. Bouge pas. Si, bouge. Je sais comment pinguer. Le ping est mon ami. Oh, mince loupé. Je sais comment pinguer. Et je vais. Et mon ami. Tiens, ping. Bonne nuit, cher ami. À demain. Et je vais te tuer. Et tu vas mourir. Il a pris cher. Faut pas rester immobile en CV. J'ai Bulbix et Assiron avec moi déjà. Allez, moi je vous souhaite une bonne soirée. Pourquoi tu. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'en vas déjà? Regarde où je suis encore. T'es encore premier? C'est fou ça. Mais arrête d'être bon comme ça. Tu vas être un tueur. Mais tu tues des bots, c'est ça, avoue. What the fuck? Tachibana Lema coûte 80 centimes et le Tachibana normal coûte 4,11 €. Ah. Ah. Comment tu Ah. fais pour mettre tes citadelles? Eh bien, non, 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 pas du tout. Non, non. Comment j'ai fait pour mettre des citadelles avec des torpilles? C'est la puissance de Yodulu, dodo. Tu tires torpille, tu dis youdoulou, les torpilles, elles vont, elles s'explosent tout. Non. T'as deux pings, d'accord? T'as un avant et un arrière du navire. Si t'arrives à pinguer les deux, donc les deux petits plus sont éliminés, les torpilles passent, ne comptent pas la protection contre les torpilles. Ce qui fait que ça tape la citadelle. Voilà l'idée. J'ai fait 3 kills, t'es au-dessus de moi. C'est moche. Prenons de la difficulté cette fois-ci. Ah oui, c'est plus dur de faire d'être premier en S1. Mais c'est là le truc, c'est que c'est dur à faire. C'est pas toujours évident de double pinguer, hein. Youdoulou,
C'est complètement you-do cette affaire. Daniel Rousseff a fait une vidéo sur le Tachibana. Il y a de quoi faire, hein. Tachibana est fun à jouer, attention. Hier, il y avait plus de personnes. Je vais de suite contacter la compagnie qui m'envoie tous les bots et lui dire de m'en envoyer plus. Moi, ça capuche si tu veux venir après, je veux bien. On va envoyer Boulbix au lit. D'ailleurs, il prend que des porte-avions. Eh ben écoute, les gens, ça va, ça vient. Hier, il y avait plein de monde parce que c'était samedi soir et que le lendemain, ils peuvent dormir et qu'ils se disent, ben, c'est pas, mais c'est pas grave. On va dormir, alors on peut regarder une nuit jusqu'à minuit et demi. Minuit. Ouais. Là, demain, il y a des gens qui travaillent. Des fois. C'est vrai que c'est férié demain. Vous devriez Oui, tous être c'est là. férié. C'est parce que je fais un stream que d'une heure. Il faut que j'aille sur Insta. Je vais mettre des photos de quoi sur Insta? Moi avec ma bouche, une bouche de canard et une photo de sous-marin. Je vais prendre la pause avec mon livre sur les cuirassés. Viens jouer au bateau. Tu vas voir, c'est super. On s'amuse bien. Ouh, Youdoulou. Il faut faire mais quoi sur l'arbre pour avoir le futur sous-marin? Alors là, c'est une excellente question. Je peux pas te dire de quoi ça part. À mon avis, et ça me semblerait logique, c'est que ça parte du destroyer. Quand t'as farmé le destroyer, tu peux taper sur le sous-marin. C'est qu'une supposition. J'en sais absolument rien en fait. Mais vu que c'est petit, que les destroyers sont Ça paraît petits, logique. que ça c'est encore plus petit, que le destroyer est le contre du sous-marin, ça me semblerait logique qu'on parte de là pour pouvoir le choper. Il est loin son chasseur. De toute façon, le chasseur, voilà. Oh, c'est gentil, hein. Mais là, t'es en train de. Boulbix, t'es en train de dire. Ils sont là. Voilà. Branche à part complète. Je pense plutôt conception aux antipodes. Il serait possible qu'il y ait des porte-avions à trois côtés dans la branche. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire. De toute façon, c'est même pas sûr que les sous-marins soient encore en FFA, hein. C'est quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'arrive pas à voir le texte que tu racontes. C'est quoi? Grosse manif Batex. Pas compris. Sous-marin. Sous-marin. Plonge. Oh, je me suis planté. Plonge, c'est un U69. Oh, c'est pas vrai, j'en ai mis deux, il est pas mort. J'en ai qui arrivent encore dessus sous Ouais, moi. c'est bon. Nice, Voilà. nice, nice, il avait aucune chance, le pauvre. Putain, il s'en est pris deux, il est pas mort. C'est fou.
Alors c'est quoi la prochaine mage au niveau Batou? La prochaine mage, ce sera bien entendu les croiseurs russes, suivi des CV allemands. J'ai battu mon record de dégâts là. 610. Ah, c'est un superbe KS, j'avoue. Ah, je me mets à un quart. Ouais, je vais venir t'aider sur le. Je vais le louper. Je suis pas sûr que les îles. Ça passe les îles là? Ouais, ça passe les îles, c'est bon. Allez! Loupé. Merde, je vais pas passer la citadelle. Allez, pingla. Ouais, je t'ai pingé trop tard. Je suis fait 40K. Je suis obligé de remonter. Il est qu'à 3 km. Il va mourir. Oh, c'est moi qui l'ai coulé. Il est derrière l'île. J'ai quasiment plus de batterie. T'étais en perf et un sous-marin t'a rame par-dessous la coque. Alors, les sous-marins ne rament pas pareil que les autres navires. Ils vont peut-être d'ailleurs changer grâce à ça, ils vont peut-être changer la mécanique de rame. Un sous-marin n'applique pas ses points de vie génériques, la totale de ses points de vie à sa cible. Il applique les points de vie qui lui restent. Et il se prend comme dommage les points de vie de sa cible. Donc, si t'es un croiseur et il te reste 300 points de vie. Oh merde! Plonge. Eh bien, j'ai vu un sous-marin ramer deux autres sous-marins dans la partie sans mourir. Je vais me diriger vers la cape. C'est jeudi la mise à jour. Je sais pas, l'event, ça dure jusqu'à quand? C'est la 9.6. Oui, non, mais. Voilà, l'event va être en 2 fois déjà, donc on n'est pas prêt de voir. C'est dans un mois et demi. Salut les cœurs. Je surface. Voilà, je vous montre tout le monde. Je refais le plein. Que 40K, oui, que 40K. Salut Pac-Man. Il est pour quand Charles de Gaulle? Alors là, le problème c'est les avions qui sont sur le Charles de Gaulle. Il n'y a pas d'avion de chasse dans le jeu. C'est trop tard. C'est trop récent. Mais commandant Cousteau, ils vont inventer des counters. Ils vont mettre en place des counters pour. Je vais aller à la chasse au. La chasse au truc. Au porte-navions. Chasse au porte-avions. D'avion. Il vient sur moi.
je vais retourner défendre peut-être. Il y a deux sous-marins qui se dirigent sur notre cap. Et Bulbix, il va être un peu dans le... Des counters, c'est-à-dire le fait que les cuirassés et que les porte-avions puissent se défendre contre les sous-marins avec, par exemple, un avion anti-sous-marin qui tournerait autour du cuirassé ou un escadron anti-sous-marin pour le CV qui permettrait au CV de faire efficacement. Caca se tirer sur moi. Je vais mettre les gaz. Non, il m'esquive. Avec des avions récents. Mais non, pas des avions récents. Il y avait déjà des avions qui combattaient. Il y avait des avions qui combattaient les sous-marins. Hein. Les Anglais en particulier avaient ça. Il s'en va. Ok, bon, j'arriverai pas à le toucher. Je vais refaire surface. Voir où est-ce que se trouve le CV. De toute façon, il m'empêche de caper. Un CV bouge pas. Le fond de la map. Aucun navire peut le toucher sans s'en approcher. Et ça sera impossible de s'en approcher, car ces avions te couleraient. Oui, mais t'imagines bien que s'il a un escadron anti-sous-marin, il pourra pas tirer sur les cuirassés. Il pourra tirer que sur le sous-marin. Donc c'est un choix à faire. Tes cibles, ce sera les sous-marins et rien d'autre. Pour ça, faut le détecter. Et admettons que l'avion, il n'est pas forcément la détection, il est que les armes. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il puisse tirer sur des sous-marins qui soient visibles. Tout le temps, Molfrit. Il va falloir vous faire à l'idée que moi, c'est des sous-marins, des destroyers et rien d'autre. Je les ai encore pendant 17 jours. 16 jours, 17 jours. Là, il va me voir au dernier moment. Dab, il sait pas que je suis là. Voilà, là, il me passe au-dessus. Mais 1 minute 30, là, il va faire demi-tour. Je suis obligé d'aller à 50 mètres, à 50 mètres, il ne me voit plus. Mais non. Ah, le De Gaulle. Mais non, ça sert à rien, on peut pas ajouter. C'est même pas le Foch, ni le Foch, ni le Clémenceau déjà. Là, on parle d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Vous vous rendez compte là du truc hein? On n'est pas dans Armored Warfare là, c'est pas World of Super Naval Ship, hein. C'est pas possible ça. Je vais sortir de la zone. Je suis sûr qu'il allait se planquer derrière l'île.
pour moi, il est parti derrière les deux. Il nous reste 6 minutes. Les mecs ils capent ou pas, tu sais qu'ils pourraient. Mais putain merde. Je suis obligé de faire marche arrière. Et de refaire surface. Pour leur perdre des points. Parce que sinon ils vont nous mettre des points dans la tronche. Cap. Par contre, il va falloir aller les trouver. Hein. Il n'est pas dans 4 km. Ils sont sortis de la zone où ils ont plongé. Donc là, je vais continuer à mettre des points. Ils sont retournés dessus. Toi, tu sens bien que Woz va devenir aussi injouable que Watt. Ouais, on verra bien. Wait and see. Ça pourra pas dire que Warplane, quel jeu? Ah voilà, il est là-bas. Il s'est bien cassé, hein. Une minute 23. Ils sont les deux là. 1 minute 15. Il reste 4 minutes de jeu. Non, pas dès le début de game, c'est pas possible. On est en fin de game là, regarde. Il arrive. 55 secondes. Oh, il m'a pas vu. Il m'a pas vu, il me cherche. C'est ma chance. 1,5 km, hein. C'est très faible. Il sait pas où je suis. Il se dit qu'il a fait le haut. 30 secondes. Faut dire la phrase ultime. Youdoulou! Il est en train de faire le tour. 20 secondes. Allez, viens sur moi. Non, il repart. Il cherche. Il me cherche, il me cherche. 3 km, 1 km, il m'a. Ah, il m'a vu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est fini. Yes. Ah, c'est qui le premier là, hein, hein? Quand t'es pas en destroyer, t'as vu, hein? Non, non, ça peut. Le truc Oal, c'est que faut bien te dire qu'un porte-avions, c'est plus rapide qu'un sous-marin. Sauf le tir 4. Donc un porte-avions tir 6, c'est plus rapide qu'un sous-marin. Si le porte-avions n'est pas teubé. Ben voilà, je peux rien lui faire. Tu viens, sac à puce? Youdoulou. Il ne reste plus qu'une seule partie à faire.
après, je vais au lit. C'est qu'il va déjà être minuit. Ah oui, j'avais pas vu que t'étais là, excuse-moi. Yamato est mieux adéquate au dépop en early du CV. Oui. Alors, bah, je vais retourner en aigle. Allez, c'est la dernière. Après, go to bed, dame. Ouais, tu mets un porte-avions, et puis tu mets porte-avions avec deux gros tas qui tirent bien loin, République sans légendaire ou Yamato, et puis si tu fonces spot le porte-avions dès le départ, et puis boum. Est-ce que j'aime le Midway? Oui. Je l'ai donc, oui, c'est jouable. Ça se laisse jouer. Le dernier qui me manque, c'est le tier 10 anglais. Dans un mois et demi. J'aurais tendance à dire, commandant Cousteau. Ah, les croiseurs allemands. Ah non, allemands. Mais il va y avoir la construction de l'Odin là. C'est pas un croiseur, mais Oui, ça sera la dernière croisade, la prochaine mise à jour. effectivement. Au Montana, je préfère l'Ohio. On est à quelques jours de la bataille de Midway, à l'anniversaire. Peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Le Siegfried, ouais, enfin, on peut l'attendre longtemps, Wolbeck, hein, par contre. Ils le mettent plus, ils le rattestent, il disparaît. Ça, c'est un peu compliqué, hein. Ce sera début juin. Je vais venir vous protéger. Ah, un camo premium, ouais, un camo permanent pour le Midwest, ça pourrait être sympa. La dernière fois, ce qu'ils ont fait, c'était un drapeau. C'est pas le même coup de design, quoi. C'est bon, Coco, tu me fais un drapeau là sur Paint. Ça va servir pour l'anniversaire de Midway, Pearl Harbor, tout ça, tu vois. Quand t'as 3 secondes sur Photoshop, tu me fais un truc. Tu feras des heures sup là-dessus. Alors attends. Atsuaru joueur. Waouh, c'est fou le joueur, hein, DDA. Bon, elle est bien visible, hein. Vous pouvez y aller, hein. Mettez-vous dans votre smoke, c'est moi qui le spot, hein. Tranquille. Tranquille, oubilou. Ah, je suis repéré. Je vais devoir arrêter le spotting. Donc, je vais devoir arrêter le spotting. Si je suis repéré, ça veut dire qu'il y a un zoom dans le coin.
Il est là. J'ai son positionnement, ouais. Waouh, 102. Je vais devoir plonger pour esquiver. J'en ai mis une. 4 mètres 2, il est à 16 mètres. Je peux le ramer. Bon, il vient me ramer. Vas-y, t'es mort. T'as pas compris comment ça marchait, hein? Mais bon, si tu veux. Tant que j'ai plus de points de vie que toi. T'es mort. Y'a un autre là. Je sais plus dire où les enfants par contre. Je suis pas repéré. Oh. Ah, y a un Didi. Pourquoi je le vois pas? J'ai pingé, on est pas d'accord, j'ai double pingé, ouais. Wow, j'ai double pingé lui. Il est de côté, il va se prendre tellement cher. Adieu, cachalot. De son TFK. Beaucoup de monde là au milieu. Il y a encore un sous-marin. Un autre cachalot là. Il bouge pas beaucoup lui. Pourquoi je l'ai loupé? Y a du monde là. J'ai pas l'hydro avant 1 minute 15, donc ça va être un peu chaud. Mes torpilles se dirigent dessus automatiquement. C'est quoi? C'est un DD ça? Ah, de Hatsuaru. Ça va être chaud. Moi, la seule chance que. Ouais, j'en ai mis une, j'en ai mis deux. Hatsuaru se jette sur moi. Là, il repart. Pourquoi je le vois pas? Je le double ping quand même. Ça, c'est juste cadeau. Tu esquives ça. Si t'arrives à esquiver, c'est chouette. Il va Ah, mourir il va avant. mourir avant. Pas sûr, regarde. Regardez, il lui reste pas beaucoup de points de vie. Salut, Bird of Gold. Oh non! C'était le mien! Bon, on a fait du bon ménage. Hein. Je vais remonter pour faire le plein. Ah, je suis repéré. Pourquoi je suis repéré? Parce que ça. Il est à 40 mètres, il est à 40 mètres. Les torpilles sont pour toi. Je vais le ramer, je go rame. Je crains rien. Sauf que mes torpilles vont toucher. Haha.
Ça picote, les sous-marins, ça picote. La France a-t-elle un peu vieux porte-avions qui lui suit? La plupart des pays n'en sont pas. Ah, oui. On est bien d'accord que côté naval, on est bon, hein. Voilà, c'est parti, on va caper, de toute façon il reste plus personne. C'est pour protéger Hawaï. Il n'y a plus grand chose à rusher là, à part. Par rocher destroyer. Non, je vais aller te caper. Ça va mettre un coup de pied dans la ruche, peut-être qu'il va venir. Ils ont combien d'ailleurs des porte-avions US? Ouah, ils en ont un paquet. Hein. Bonjour, je cap. Il va falloir que tu surfaces pour te le faire. Mais t'es à la surface. Oui, il va trop vite. Je sais pas pour quel sens celle-là, mais. Tu loses toutes tes games en cuirassé. En bataille sous-marine, Balachou. C'est parce que tu ne dis pas Youdoulou. Il lui reste 3000 points de vie, j'ai 3900 points de vie, je pourrais le ramer le DD. Important de dire Il Youdoulou, faut dire sinon. Youdoulou. Sinon ça marche pas. Il se dirige vers moi. Ils vont venir vers toi. Pour le Allez, coup. le nœud là, Youdoulou là, le nœud. Voilà. Alors le problème, il va venir te chercher. Ils vont venir chercher Bulbix. Ah, Bulbix. Il va venir chercher sa capuce. Ah oui, là ça. Ou bien les torpilles. Il va se diriger vers moi. Hello. Il laisse tomber sa capuce, il vient vers moi. Je suis un peu amusant. Il va y défendre le cap. Ne doutez jamais de la puissance du sous-marin. La puissance du Yodolo. Youdoulou. GG, 4 kills, on a failli faire un Kraken. First. C'est fun. Mesdames et messieurs, c'est pas tout ça, mais il est temps de regarder si on peut faire un raid quelque part. Alors, chez qui je vais vous envoyer ce soir? C'est une excellente question. Il me semble qu'il y a pas mal de monde. Quel est le menu de ce soir? Y a Daffy, il y a Axel Meyer Live. On va pas lui faire ce plaisir. On va Mobus, on a Vapouloulou, et on a Roro. Je connais pas Roro. Je voulais pas tuer, mais je tue. Mais je tue.
Communauté sympa, cherche joueur FR. Ok, on va faire simple. Je pense que je vais envoyer tout le monde chez Daffy. Parce que le Daffy, aux dernières nouvelles, il fait toujours partie de la OSFR. Et que donc voilà, je vous laisse, je vous dis à demain soir, même heure, aux alentours de 22h30, hein, dans ces goûts-là, pour de la bataille sous-marine jusqu'à minuit. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, bonne nuit, bonne journée fériée demain, bande de vénards. Et à demain. Et faites un coucou à le Davi. Hop, je clique, c'est bon, il faut appuyer pour y aller. La participation. Youp la boum qui coulole. Comment ça, 68? Que 68, vous êtes 87. C'est-à-dire qu'il y en a 20 qui dorment. Oh non. Plein qui viennent pas, et ben tant pis, restez. Plus plus. Plus.